Le 14 janvier prochain, alors que le fils de Margaret II, Frédéric, deviendra roi de Danemark, son épouse, Mary, obtiendra le titre de reine consort. Ces dernières années, la belle-fille de la reine a d'ailleurs été au cœur de deux scandales amoureux qui ont fait couler beaucoup d'encre. Le Danemark s'apprête à vivre un événement historique. Après 52 ans de règne, le 14 janvier 2024, Margaret II cédera sa place sur le trône à son fils, Frédéric. Une décision qu'elle a annoncée le 31 décembre dernier, lors de son allocution télévisée de fin d'année. Si Frédéric de Danemark deviendra donc le roi du pays, son épouse, Mary, sera, elle, nommée reine consort. Assez discrète, la mère de Christian, Isabella, Vincent et Joséphine a vécu deux scandales amoureux au cours des dernières années. Flashback. Le scandale le plus récent a éclaté il y a seulement quelques mois puisque depuis novembre 2023, le prince héritier Frédéric est au cœur de rumeurs d'infidélité. En effet, le magazine espagnol Lecturas avait publié un article dévoilant des clichés du fils de Margaret II en compagnie d'une femme prénommée Genoveva Casanova dans les rues de Madrid. Le média avait alors révélé que l'époux de Mary de Danemark et l'actrice avaient passé la soirée ensemble et qu'ils avaient été vus en train de rentrer au domicile de la femme. Genoveva Casanova avait alors publié un communiqué pour démentir les rumeurs tandis que Frédéric et le reste de la famille royale ont préféré se murer dans le silence et traverser cette tempête en étant soudés. Plus grand que photo les 30 plus beaux looks de la reine Mary de Danemark. Mary de Danemark. Son beau-frère Joachim de Danemark est pris d'elle? C'est une rumeur qui a refait surface au cours de l'année 2022, après que Margaret II avait pris la décision de retirer certains titres de noblesse à ses petits-enfants Nikolai, Félix, Henrik et Athéna, les enfants de son fils cadet Joachim et de son épouse Marie. Depuis, le comte de Montpezat affirme entretenir une relation compliquée avec sa mère, mais également son frère et sa belle-sœur. Des propos qui ont fait ressurgir une vieille histoire. En effet, le tabloïd espagnol Vanitatis El Confidencial avait à l'époque révélé que le prince Joachim était éperdument amoureux de sa belle-sœur, Mary de Danemark. Le frère de Frédéric aurait d'ailleurs un jour, alors qu'il était éméché, tenté d'embrasser cette dernière, lors d'un gala organisé par le Royal Guard Régiment, en juillet 2008, informé à l'hebdomadaire suédois Svenska Damtidning. D'après le tabloïd, la rumeur des sentiments de Joachim pour sa belle-sœur s'est répandue peu après le mariage de son frère aîné, avec cette dernière, en 2004. 3 ans plus tard, le prince Joachim annoncera d'ailleurs ses fiançailles avec une Française du même prénom, et d'une ressemblance physique frappante avec Mary de Danemark. Royal Portrait Europe, Bernard Rubzamen.